24, he said he left. Working 24, 44. Peter feed his city so he said he left. What is to the soul? Free from desire. Halloween to put it. Nous allons poser des questions ce soir. Qui a vu le match? Je demande la manifestation du peuple qui a vu le match tout de suite avec des likes. Nous demandons un maximum de likes pour pouvoir devenir fou dans ce véhicule avec cette lumière qui ne m'écoute jamais, qui s'éteindra dans 10 minutes. Je demande la manifestation de ce peuple à répondre à une question simple et nécessaire. Qui a vu le match? Likez. Voilà, là, je vois des likes. Oui, like des pouces, pouces ou sourire, like, cœur, envoie des cœurs, envoie des étoiles aussi. Oui, oh, manifeste ta joie, la guerre des étoiles. Oh, Yoshi dans Super Mario Bros, donne mon invisibilité avec des étoiles. Allez, des likes, des étoiles, voilà, des cœurs, ça monte, il est où? Nous allons tenter de débriefer ensemble la victoire de l'équipe de France 2-0 en demi-finale de la Coupe du Monde face au Maroc. Didier, qui es-tu, Didier? Mais Didier, explique-nous. On se pose des questions à la maison. On se dit, c'est quoi? Il vient d'une autre galaxie? C'est quoi? Le type, il a tout gagné, frérot. Dans sa vie, il a tout gagné. Soit il a eu une enfance malheureuse où il gagnait rien et il s'est dit, en tant que joueur, il a tout gagné. Il a gagné la Ligue des Champions 2 fois. Il a gagné la Coupe du Monde en tant que capitaine. Il a gagné l'Euro. Il part, il revient, il fait des finales, il gagne des Coupes du Monde. Mais qui es-tu? T'as même gagné des dents, frère. Même tes dents, tu les as gagnées au loto. Qui es-tu, Didier? Qui tu fais le back-to-back? Comme on dit au basketball, l'NBA, tu as gagné la dernière Coupe du Monde, tu retournes en finale de Coupe du Monde, il n'y a que deux équipes qui ont fait ça, l'Italie et le Brésil, et toi Didier, Didier Deschamps, ton nom de famille n'était pas prédestiné à devenir l'une des personnalités les plus importantes du football français, Didier, tu ressembles à quelqu'un qui esthétiquement n'est pas le plus agréable à voir, mais aujourd'hui tu es beau. C'est fort, Didier. Bon, alors, respect, avant de parler de ce qui s'est passé dans le match au Marocain. Peuple marocain, choukran, comme vous dites chez vous. Merci, parce que c'était haletant. Vous nous avez donné des frissons. 8e de finale, vous nous sortez les Espagnols qui vont nous sous-estimer. Vous sortez le Portugal de la dernière Coupe du Monde de CR7, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Et vous venez contre nous et vous mettez vos couilles sur la table, bande de salopards, avec des joueurs blessés de partout. Mais vous jouez. C'est qui le 8 là, chez vous là? Ounani là, Manami. Aldi, je vais l'appeler Aldi, parce qu'Aldi c'est bon, c'est pas cher et c'est bon. C'est un joueur qui joue au SCO d'Angers, Aldi là, numéro 8. Quel salopard! Avec l'autre là, Mrat, Moudoura, Amrabat. T'entends des noms comme ça, mais ça, hein, Amrabat, sans cheveux sur la tête. On dirait Vin Diesel de Rabat, frère. Vin Diesel, oh, c'est chopé sur les côtés là. L'autre salopard du SCO d'Angers, là, Boufal, qui fait des techniques comme si on était dans FIFA Street 2003. Hakim Gilles, une bonne équipe. Si tu connais le foot, si t'es quelqu'un qui comprend le foot, il n'y a plus de petite équipe. Si le Maroc est arrivé là, premier pays du continent africain arrivé en demi-finale, c'est qu'il le mérite, frérot. Et nous, on est là, et il faut faire attention. Mais après, c'est vrai que on est quand même dangereux, frère. On a 2-3 joueurs dans l'équipe qui est dangereux. Alors, le match commence, et ça se bouscule dans les chantiers. Ça se bouscule de manière à ce qu'à un moment donné, Tchouaméni, qui a décidé de devenir le propriétaire, il est parti chez le notaire, il a dit, le milieu de terrain, c'est à moi. Je voulais tout ce qui est autour, je suis propriétaire de tous les terrains du Qatar. Au milieu, je suis parti voir l'émir, j'ai signé les papiers, c'est à moi, à moi, à moi. Il fait une passe,
passe, frère. Il nous passe tellement corrompu. La passe sans la FIFA, la passe sans Sepp Blatter. Il fait une passe corrompue dans le milieu qui fait tomber le défenseur central marocain. C'est-à-dire que lui, déjà, il va avoir des comptes à rendre quand il va retourner à Marrakech. Parce que la glissade qu'il fait, comme si c'était Tintin dans le, comment il s'appelle cet épisode-là, les 7 boules de cristal, quand il tombe sur la, quand les Dupont et Dupont, là, tombent sur les, t'es un salopard. Quand je t'ai vu tomber, j'ai dit, ah, lui, il va pas rentrer au Maroc demain. Parce que s'il y a un but, il est personnellement fautif de l'action qui va suivre. Griezmann récupère la balle après la chute de Duponté là, à 10 mètres de la surface. Griezmann, il rentre. Griezmann, c'est un chirurgien. Il a été diplômé de Paris 3. Il rentre dans la surface, il met un centre du droit qui tape, je sais pas qui, la balle monte en l'air. C'est-à-dire qu'il monte en l'air comme s'il avait décidé d'avoir des rapports avec le ballon. Le ballon monte et ça arrive deuxième poteau sur Théo Hernandez, qui nous fait une reprise du gauche acrobatique. Hein, bon, pas trop acrobatique que ça, mais une reprise du gauche qui rentre 1-0 dès la cinquième minute. Là, tu te dis, ah, l'équipe qui a réussi à pulvériser tous les records en prenant qu'un but durant la compétition, là, je sens les Marocains, ça va être compliqué pour eux. Eh ben non ! Eh ben non, frérot ! Non, c'est eux qui avaient le ballon, oui, on a gardé le ballon jusqu'à à peu près la 30e minute, 35e, et après ils ont décidé de nous emmerder, ils ont décidé de, il y a un joueur là, il est non, on dirait Karim Abdul-Jabbar là, le numéro 15 avec le même nez que Gargamel chez les Marocains, qui se permet de faire des retournées de poteau, mais toi t'es qui toi? Tu veux nous égaliser comme si on était dans International Superstar Soccer Deluxe sur Super Nintendo? Une retournée de poteau! Heureusement que Lloris la touche un petit peu du pouce pour dire pouce, calmez-vous les Marocains, là, c'est bientôt la mi-temps. Faut pas égaliser maintenant! Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Hein? Bon, la chance qu'on a eue aussi, c'est qu'ils perdent encore sur blessure leur capitaine défenseur central qui avait la cuisse gonflée. On aurait dit une clémentine qui vient directement de Casablanca. Hein? Donc, automatiquement, on se dit, ça va aller. Deuxième mi-temps, on va leur mettre la misère. Eh ben non! Non! Encore une fois, non! On a eu une chance de passer à 2-0 rapidement avec Giroud qui met une frappe poteau en première mi-temps. Mais après, des grosses occasionnettes, hein, Dembélé qui veut pas prendre la profondeur côté. Qu'est-ce que t'as, Ousmane? Ousmane! Moi, je pensais que t'allais le joueur du Bayern, là, Ezraoui, là. Je crois que t'allais... Ousmane, tu cherches quoi, Ousmane? Tiens, on parle un peu d'Ousmane. Ok. Merci Ousmane, défensivement, tu fais le taf. Tu reviens tout ça, mais nous on a besoin que tu foutes là. Tu fous la merde. Fous le caca sur ton côté. Ousmane, je crois que tu l'as fait peut-être deux fois dans le match avant que tu sortes à la 63e minute. Parce qu'à la deuxième mi-temps, frère, on n'était pas bien. Hein, des occasions de part et d'autre. Heureusement que Varane a redevenu le Varane du Real de Madrid. Heureusement qu'on a eu un Konaté extraordinaire, frérot. Un Griezmann qui s'est transformé en Marcel Desailly. Merci Grisou. Une impeccable. Antoine, on ne savait pas ton poste. On savait pas si t'étais meneur de jeu. On savait pas si t'étais entraîneur. On savait pas si t'étais arbitre de touche. On savait pas si t'étais le maire de Doha. On ne savait pas ton poste. Mais merci. Des récupérations dans les pieds, des récupérations en plein cœur de notre surface avec des Marocains qui sont prêts à manger les genoux pour y réaliser. Une galère, sans nom. Et après, Didier, il sent que ça sent pas bon. Donc il sort Giroud qui avait un peu mal au genou après sa frappe sur le poteau. Et il sort Ousmane. Marcus, juste avant que Ousmane sorte, il faut un peu le bon son deux, trois fois. Mais il y a un joueur qui s'appelle Randal Kolo Muani. Un joueur, jamais tu mets une pièce sur lui il y a 4 ans, quand il était un an, tu te souviens? Tu dis il est bon, mais pas arrivé à ce point-là, il joue à Francfort aujourd'hui. Contre la Tunisie, ça a été le seul gars avec Konaté qui a mis son zizi sur le terrain sans avoir peur qu'on marche dessus. Il rentre sur le terrain. Écoute bien ce que je te dis, il rentre sur le terrain. C'est-à-dire qu'il rentre sur le terrain. Il a les yeux d'un facochère.
Je sais pas si tu vois la scène de Pumba dans Le Roi Lion. Quand il commence à niquer la race des hyènes là avec Pumba, c'était les yeux de Kolo Muani. Il est rentré, il avait un objectif. Il a dit, tu me fais rentrer quoi? 10 minutes? Tu vas voir. Alors, Tchouaméni, on dit il est fatigué. Mais Tchouaméni, je t'ai dit que c'est le propriétaire de tous les milieux de terrain du Qatar. Donc lorsqu'on pense qu'il est fatigué, lui, il n'est pas fatigué parce qu'il est chez lui. Il se repose. Il fait une passe, frère, entre deux défenseurs marocains. Je sais pas si c'était les gardes rapprochés de Mohamed VI. Une passe extérieure, alors qu'on pense tous qu'il va la mettre côté gauche pour Kylian. Extérieur dans son salon. Fofana, qui a remplacé Rabiot. D'ailleurs, Fofana, bien. Hein, parce que contre la Tunisie, t'étais un sacré salopard. Là, t'as fait un match correct. Pas ouf, mais correct. Mais l'action que je vais expliquer là. Merci, Youssouf. Youssouf récupère cette passe de Tchouaméni dans son salon. Il quitte le parking de Tchouaméni. Direction le Qatar. Direction axe du but marocain. Il accélère. Il la redonne à Kylian. Kylian qui commence à... Kylian qui a eu quelques occasions de casser du marocain en première mi-temps et un petit peu en deuxième. Mais là, il a décidé, je vais vous faire danser la rumba. Tu vois, Youssouf, il le décale un petit peu. Entrée de la surface. Mbappé, il voit Marcus Thuram. Marcus Thuram. Bon, il se dit, je la redonne à Mbappé. Et là, Mbappé, il fait la danse du ventre. Je te dis, ils sont droits sur lui. Il leur danse. Je sais pas si c'était Cheb Mami ou Cheb Khaled ou Foden Lanté. Bref, il les fait danser. Ils se disent, attends, comment ça, quelqu'un qui est d'origine du Cameroun danse la danse de chez nous? Alors, ils sont un peu déstabilisés. Il ouvre son pied. Ça tombe sur le mollet d'un Marocain qui avait été hypnotisé par la danse de Kylian. Et là, c'est qui arrive? Le Fakocher. L'homme aux yeux de Fakocher qui pousse la balle, c'est son premier ballon. C'est-à-dire qu'il a même pas fait la bise au ballon. Il l'a même pas regardé. Le ballon ne savait même pas que Kolo Muani était sur le terrain. Et il se fait toucher l'arrière-train par ce joueur qui peut passer le score à 2-0. C'est fini. C'est fini, je te dis. 2-0. Victoire de l'équipe de France. Dimanche, finale incroyable. Argentine-France ou France-Argentine, on s'en bat les couilles. Mais voilà. Voilà, débrief approximatif de ce qui s'est passé tout à l'heure. Bravo encore aux Marocains. Hein. Mais bravo à Didier, parce que là, Didier, on sait pas t'es qui. Hein. Va falloir nous montrer tes vaccins. On t'a pas mis que des vaccins dans le... On t'a mis autre chose. On t'a mis un chakra, je sais pas si t'es... Donc venez, wow. Ceux qui ont envoyé les étoiles, je vois 899 étoiles, mais vous là, venez, on va zouker ensemble, ceux qui ont envoyé des étoiles, parce que là, vous êtes des gens quand même généreux. J'aime la générosité, parce que c'est vous qui me poussez à être heureux comme ça. J'aurais pu rester chez moi, je dis, je fais pas de débrief, mais vous les étoileurs, je vais vous appeler comme ça. Il y a les followers et il y a les étoileurs. Vous les étoileurs, on va, en plus, il y a le spectacle qui arrive, je vais vous faire des cadeaux. On va faire des cadeaux aux étoileurs. Tu vois, ils étoilent, on va vous faire des cadeaux. D'accord? Je reprends le 6 janvier 2023 sur scène, spectacle, père de famille. Je vais vous expliquer pourquoi je suis heureux. D'accord? Donc, venez, on parle un petit peu de ce qui vient de se passer. C'est le doublé. J'ai l'impression même que c'était une évidence, on dirait. Parce que, t'as vu les joueurs à la fin du match? Il y avait que les connards là, les Guendouzi, les Veretout qui ont couru comme si c'était eux qui avaient joué sur le terrain. Les Mbappé, les Kolo Muani, la fatigue. Expression, c'était notre taf. On va pas pleurer, mais on va en finale. Venez, on... Jean-Pierre Clerc, coach, dur le match de dimanche contre l'Argentine. Mais heureusement que c'est dur. Tu crois qu'on va où là? On va à la pharmacie? Hein? On va chercher des crèmes pour les pieds, c'est là où tu crois qu'on va? Monsieur Clair, non! C'est une finale de Coupe du Monde. La compétition la plus importante du football moderne. Hein? J'avais dit 10 minutes. Donc non! Évidemment, heureusement, c'est dur. On veut que des finales compliquées, frère. Où ça? C'est dur, c'est là, on va voir si t'es le meilleur ou pas. En plus, contre sûrement la dernière épopée d'Ulysse. Hein? Ulysse! T'as compris? Hein? Mais si, c'est Ulysse, c'est son épopée, là. Lui, il est, frère. T'as vu comment il est méchant en ce moment, Messi? T'as vu comment il est, comment il porte tout un pays sur sa nuque? J'ai jamais vu Messi s'embrouiller avec l'arbitre ou s'embrouiller avec Virgil van Dijk. T'as vu quand il pousse Virgil van Dijk? David Silva, il lui met presque un coup de tête. Là, Messi, y a pas de blague.
Il n'y a pas de camaraderie. Lui, il vient pour gagner cette Coupe du Monde. Donc oui, ça va être dur, monsieur Clerc. Ça va être dur. Edin Charles, Théo Hernandez, énorme. Très, très bon latéral. Il m'énerve un peu quand il met son cul en arrière pour mettre son corps en opposition quand quelqu'un vient alors qu'il peut vite fait redonner du rythme. Il m'énerve un peu, mais sinon, non, c'est très bon. Puis c'est lui qui marque, c'est lui qui... Tu te rends compte? Le grand frère joue la finale en 2018, un élément super important pour la victoire de l'équipe. Et c'est le petit frère. Mais sa mère aussi, faut vérifier son sang. Faut vérifier ce qui coule dans le sang de la maman. Elle est sur le point de ramener deux Coupes du Monde avec deux garçons différents. Maman irlandaise, je vous veux demain matin à la clinique de Melun, les Trois Fontaines. Vite fait. Ah, Jean-Pierre Clerc, tu envoies des étoiles. Non, on va faire des cadeaux. À partir du prochain débrief, on va faire des cadeaux aux étoileurs. Parce que vous êtes déjà important dans l'épanouissement de l'artiste Jean-Claude Moicard. Voilà, à un moment donné, il faut se dire les choses. Continuons un petit peu le débrief entre nous. Edin Charles, Oupi Mokano peut rester où il est. Non. Bon, il est un peu malade. S'il se sent pas bien, qu'il ne joue pas. S'il est en pleine forme, qu'il revienne. Parce que Varane a fait un bon match, complet, rien à dire. Mais Konaté, t'as vu, c'est quand même, tu sens que c'est Barracuda dans l'agence touriste. C'est vraiment, c'est très fort. Alors si tu le rajoutes avec Upamecano qui fait une Coupe du Monde nickel, hein, Didier va devoir se brosser les dents là pour réfléchir un peu, je pense. Jean-Daniel Kojoli, les Marocains étaient un peu violents. Mais frère, t'as compris ce que j'ai dit ou t'as pas compris ce que j'ai dit? Les Marocains étaient là pour écrire l'histoire. Qu'est-ce que toi, je vais être gentil avec toi? T'as pas vu Achraf Hakimi quand il est parti nettoyer le genou de son meilleur ami Kylian? T'es pas mon copain! C'est normal qu'il parte dans la violence. C'est ça le football. Les gens disent c'est un sport de fiottes. Frère, on se rentre dans la nuque de temps en temps. Donc non, ils ont mis des coups, oui, mais c'est ça le football aussi. Ça se voit, toi, tu t'es jamais réveillé un dimanche matin, match du dimanche là avec les vétérans, à 9h, où tu te prends des coups, des coups de genoux dans l'omoplate. Michel, coucou de la Martinique, coucou de Melun, là où il fait froid, frère. Je te fais un coucou. Ming, Jules Koundé lourd. Oui, il a été très efficace parce qu'il avait un sacré client de son côté là, le Boufal, FIFA Street. Et encore, respect aussi à Ousmane. Ousmane s'est sacrifié. Il a rien fait offensivement pour aller aider Jules de temps en temps. Mais Jules, gros match de Jules. Maeva, je comprends mieux le football grâce à vos débriefs. Pourtant, j'ai dit des débriefs approximatifs. On dirait que je suis un tortionnaire de Arkham City. Mais ça fait plaisir. Merci beaucoup, ma copine. Lille Doc, Fofana m'a étonné. C'est un bon joueur. Youssouf, c'est un très bon joueur. Ça a été un connard contre la Tunisie. Oui, montrer comment on fait pour demander de l'argent en boulangerie. Mais sinon, c'est un bon joueur. Il n'a pas l'efficacité de Rabiot dans les phases offensives. Même si, comme je l'ai dit, le premier but, c'est grâce à lui et son pote Tchouaméni, là. Mais bon joueur, Youssouf. Faut pas rigoler avec lui. TP, Mouki... Ah, vous avez des noms, là, on dirait des algorithmes. Griezmann, énorme. Marie Griezmann, homme du match. C'est mon homme du match. C'est ce qu'il a fait. Il est facile. Il est facile. Il est tellement facile qu'il rend les autres. Il se dit, si Griezmann fait faire ça, nous aussi on peut faire. Tu vois, quand le Maroc doit égaliser, parce que le Maroc doit égaliser avant que Randman marque. Koundé, quand il récupère la balle sur la ligne, c'est parce qu'il a vu Griezou le faire. Griezmann rend les autres impeccables. Quand il est impeccable, toi-même tu te transformes hein, dans une impeccable qui ça c'était. Voilà. Oui, Christy, le sauvetage de Koundé, on en parle. Très, très fort. Très, très fort. Faites participer cette personne à la vidéo. Ça, c'est quoi, ça? Faites participer. Vous pouvez participer au... demande Jacqueline. Bon, essayez un truc. Je sais pas c'est quoi, mais on va essayer. Bien sûr!
Bien sûr. Donc voilà. Christopher Loco, vive la France. Mais évidemment, on est content. On est content. Hein? On va faire un back-to-back. Ce serait incroyable. T'imagines, toi, si on arrive à gagner la troisième étoile face au dernier match du mondial de Messi, ce serait exceptionnel. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a débriefé un peu. Hein. Bon, j'ai essayé la tentative de demande d'acceptation de vidéo double sprintée, mais ça marche pas. Donc, on va aller dormir un peu et puis on se dit à dimanche. Hein? Allez, la bise.